Il était une fois une petite fée nommée Olive. Elle était très spéciale car elle avait des ailes dorées qui brillaient comme le soleil. Olive était très gentille et aimait aider les autres. Elle avait un ami, un petit oiseau bleu nommé Bleuet. Ils étaient inséparables et passaient leur journée à jouer ensemble. Un jour, Olive et Bleuet ont entendu un cri de détresse. C'était un petit lapin qui avait perdu sa famille. Olive et Bleuet ont décidé de l'aider. Ils ont cherché partout et ont finalement trouvé la famille du lapin. La famille était très reconnaissante et a remercié Olive et Bleuet pour leur aide. Olive et Bleuet ont continué à aider les autres et sont devenus très populaires dans la forêt. Les animaux venaient souvent leur demander de l'aide. Olive était très heureuse car elle aimait aider les autres. Elle savait que c'était sa mission dans la vie. Un jour, Olive a été appelée par la reine des fées. La reine lui a demandé de l'aider à sauver la forêt. La forêt était en danger car un méchant sorcier avait jeté un sort sur elle. Olive a accepté la mission et a commencé à chercher un moyen de sauver la forêt. Elle a finalement trouvé une solution. Elle a utilisé ses ailes dorées pour voler jusqu'au sommet de la montagne la plus haute de la forêt. Là-bas, elle a trouvé une fleur magique qui pouvait guérir la forêt. Olive a pris la fleur et l'a ramenée à la reine des fées. La reine a utilisé la fleur pour guérir la forêt. Tout est redevenu normal et la forêt était à nouveau en sécurité. Olive était très fière d'elle et de ce qu'elle avait accompli. Elle savait que c'était grâce à son amour pour les autres qu'elle avait réussi à sauver la forêt. Et c'est ainsi que Olive est devenue la plus grande héroïne de la forêt. Les animaux l'ont remerciée pour tout ce qu'elle avait fait et ont promis de la protéger pour toujours. Olive était très heureuse et savait qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Fin de l'histoire. Abonne-toi pour ne rien rater de toutes nos prochaines vidéos. Les enfants extraordinaires.